À gauche, Renaud. À droite, Guillaume. Ils sont frères, sont de Souffelweyersheim et viennent de créer leur restaurant à Strasbourg, quartier Ménot, Les Garnements. Les Garnements, tout simplement parce que c'est le surnom que nous donnait notre grand-père quand on était petit. Des garnements qui ont bien grandi car les voilà restaurateurs à l'approche de la trentaine. L'établissement tourne depuis 7 mois. C'est une cuisine du marché avec des produits frais, locaux, de saison, 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, tout fait maison, simple mais efficace. On a eu tout de suite une grosse affluence et par là on a très vite travaillé le midi, on a dû s'adapter aussi à une organisation. On a embauché Nicolas qui est avec nous maintenant, c'est super satisfaisant pour les débuts. À Souffel, on les connaît pour leur engagement bénévole. Ils ont plusieurs fois organisé le repas du marché de Noël avec leur mère pour l'Omal. C'est agréable de participer à Noël au village, puis bon, ça nous sert de test aussi. 3 margaritas, une rillette d'oie, à suivre un carpaccio et 3 risetti. En cuisine, leur maman a d'ailleurs été embauchée dès l'ouverture. Que c'est mes fils et que je suis fière d'eux et que c'est normal de participer, de les aider. Notre force aussi, c'est la polyvalence, c'est qu'on a chacun un bagage en salle, un bagage en cuisine. On est arrivé à un tournant où on avait vu chacun suffisamment de bagages pour ouvrir quelque chose. Pour le moment, ça marche bien, quoi. Au courant du mois de juin, un apprenti doit rejoindre l'équipe. Ils sont jeunes, ambitieux et volontaires, pas mal pour des garnements.